On évoque beaucoup les déchets de plastique que nous rejetons en mer. Tous, nous pouvons contribuer à réduire cette pollution, en nettoyant nos plages, par exemple. L'opération 100 tonnes a été un succès, pilotée par Lynn Morissette et Jimmy Vigneux. Venue de Mme Stéphanie Pépin, qui est présidente de notre CLD, le Comité local de développement, ici à Métis-sur-Mer. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant puisqu'on couvrait toutes les berges de la ville de Métis-sur-Mer. Et le travail se faisait dans tous les secteurs. On a eu beaucoup de bénévoles, que je tiens à remercier énormément. Et puis, le tout se terminait au phare avec un repas, un bon repas santé, en fait, qui a aussi été fait par des bénévoles. Et l'importance de nettoyer nos berges, bien, c'est, oui, important pour la planète, mais c'est important pour et le tourisme et les résidents, parce qu'ici, à Métis-sur-Mer, il y a beaucoup de gens qui font de la bicyclette, qui marchent. Alors, c'est beaucoup plus agréable de marcher ou faire de la bicyclette dans un lieu qui est propre et plaisant. Et c'est que moi, depuis 3 ans, depuis que je suis arrivée à Métis, je le faisais comme bénévole avec Éco-Métis, qui l'organise chaque année. Et puis, bon, je ramassais les déchets comme, avec eux. Puis, je me disais, bon, mais ça serait le fun que ça vienne à Métis. Eux autres, ils faisaient de Sainte-Flavie jusqu'à Grand-Métis. Alors, quand je suis devenue présidente du CLD, je me suis dit, bon, ben, on pourrait peut-être, nous autres, amener cette initiative-là à Métis. Fait que j'ai communiqué avec les organisateurs d'Éco-Métis pour leur dire, bon, on veut faire un volet la même journée, un volet à Métis-sur-Mer pour faire toutes nos plages ici. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis aussi, ben, c'est notre phare est depuis très peu longtemps, on a de nouveau accès. Fait que c'est le fun de l'inclure dans nos activités pour la communauté. Puis la mairesse embarque toujours dans toutes nos activités. Fait que ça, c'était pas une surprise. Je savais qu'elle allait participer. En fait, moi, depuis que je suis à la mairie, j'ai toujours impliqué les écoles dans plusieurs activités. Et les écoles m'invitaient aussi quand elles faisaient des activités. Et pour moi, c'est important parce que les enfants des écoles, c'est nos futurs, c'est nos citoyens et c'est eux qui vont nous remplacer. Alors moi, je me dis, c'est important de connaître le fonctionnement de sa communauté et de dire, bon, ben les conseillers, la mairesse, tous les organismes nous considèrent, donc on travaille ensemble. Et ça, moi, je le fais là, depuis 2 ans, là, puis c'était tout naturel qu'on invite les écoles. On fait beaucoup d'activités ensemble. OK, bien, l'activité, en fait, c'était que le matin, on s'est rassemblés à la halle Trottière le samedi matin avec une vingtaine de bénévoles. On est partis dans les deux directions sur la plage. Pour ramasser tout ce qu'on trouvait là, avec des chaudières, pour avoir le moins possible de sacs de plastique, évidemment, qu'on a tout ramassé dans une remorque pour l'amener à l'éco-centre. On avait beaucoup de pneus. Fait qu'au total, finalement, on a ramassé 750 kg de déchets, petits et gros, mais c'est sûr que le poids venait surtout des gros pneus. Puis, c'est sûr, on a tout apporté ça à l'éco-centre. On a fait 2 voyages. Et après ça, tout le monde s'est rassemblé. Là, on a terminé, en fait, la corvée par le chemin du phare. Fait que on s'est rassemblé là après pour le lunch, avec soupe chaude, sandwich, crudité. Puis... Boys and girls, thank you for participating. Do you remember when we went to the beach? What did we find? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Tires. Des métal, des briques. We found bricks from houses. Tires, metal, plastic bags, les sacs en plastique. Why was it important to clean the beach? Because to take care of the planet. To take care of the planet, Dahlia? Because one time the
planète could die. The planet could die. Pour moi, c'était tellement important de faire participer la jeunesse. Jeunes comme ça sont comme des éponges. Ils comprennent vite, ils veulent savoir. Vous avez entendu les mots, il faut prendre soin de la planète, c'est où on vit. Ils savent que c'est dangereux pour les oiseaux, c'est important pour nous quand on se promène, les touristes qui viennent pour l'été. Et quand on sensibilise les enfants jeunes, ça va devenir une routine pour les enfants. Ils vont vouloir prendre la marche. Oh, regarde maman, un couillard en plastique. Oh, papa, regarde ma tante. Ils prennent ça comme habitude, ils vont ramasser les déchets. Et c'est les petits gestes comme ça qui comptent beaucoup. Et c'est notre cours d'école devant Mère Nature. C'est un bel endroit pour aller se promener. On profite, on prend de l'air et on fait du bien pour notre planète. Et le fait que c'était une activité communautaire, on fait du bien, on fait la visibilité pour la communauté en français, en anglais. Ça fait du bien. Et les enfants, ils savent aussi. Ils disent, waouh, on a fait un geste concret pour aider la planète. Par contre, moi j'aimerais encore une fois remercier tous ceux qui sont venus pour nous aider à nettoyer les berges. C'était grandement apprécié, c'est un très beau geste. Merci. Thank you very much. You're welcome. Et parce que c'était pour la ville de Métis-sur-Mer, l'activité se donnait le samedi matin. Et étant donné que les élèves ne sont pas à l'école le samedi, on a pris l'initiative, je dis on voulait vraiment participer. Alors, on a décidé que le vendredi matin, nous sommes allés avec quelques bénévoles de la communauté aussi pour faire notre part. On évoque beaucoup les déchets de plastique que nous rejetons à la mer. Mais l'industrie de la pêche génère elle aussi ces déchets. Parlez-en aux baleines. Bien, quand on parle de déchets dans la mer, évidemment, il y a tout ce qu'on balance, mais il y a aussi toute une catégorie de déchets qui est reliée avec les engins de pêche abandonnés. Puis ça, bien, ça a deux impacts. Premièrement, ces engins-là sont souvent faits de plastique et de métal, mais la partie plastique constitue un déchet en soi. Mais l'autre enjeu, c'est que c'est des engins qui continuent de pêcher. Alors qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de pêcheurs pour remonter l'engin à la surface. Donc, ça tue de la faune marine inutilement parce que la pêche, la capture n'est pas faite. La pêche se fait, mais il n'y a pas un pêcheur à l'autre bout de la corde pour remonter la capture. Et puis, ça pose aussi certaines menaces parce que, toute l'activité de pêche dans le golfe du Saint-Laurent, chez nous, présentement, on fait face à des enjeux de coexistence majeurs avec des baleines qui viennent nous visiter de plus en plus, donc la baleine noire de l'Atlantique Nord, pour laquelle ces engins-là, comme un casier de pêche au crabe, sont une menace assez substantielle parce que, bon, on voit un peu comment c'est fait, là. Quand on pêche le crabe, on a le casier qui est dans le fond puis qui est relié à la surface par une bouée. Et c'est cette corde-là qui relie les deux qui fait, quand on multiplie ça par des centaines de casiers, qu'on a des rideaux de cordes dans lesquels les baleines peuvent s'empêtrer. Ça, c'est le défi auquel on fait face présentement. La baleine noire a deux grandes causes de mortalité. C'est une espèce qui est très en voie de disparition. Les deux grandes causes de mortalité, c'est les collisions avec les navires et l'empêtrement dans ce genre d'engins de pêche. Les pêcheurs de crabes des neiges opérant dans le sud du golfe Saint-Laurent devront dorénavant réduire la quantité de cordage flottant à la surface de la mer. Ils devront aussi les marquer et identifier leurs bouées. Pour limiter les impacts négatifs que la pêche ou l'industrie peuvent avoir sur cette espèce-là,
bien, on a décidé, encore une fois, d'opter pour une approche qui est innovante et positive. Au lieu de se pointer du doigt à se demander à qui est la faute ou à se demander si est-ce que c'est la faute d'un pêcheur canadien ou c'est un pêcheur américain, est-ce que c'est un pêcheur de crabe ou c'est un pêcheur de homard, on s'est dit on va tous travailler ensemble pour trouver des solutions pour essayer de limiter ça, cette problématique-là où il y a cette corde-là qui dérange. Donc là, on a une panoplie d'innovations technologiques maintenant qui viennent souvent des idées des pêcheurs parce que ce sont les experts de la mer. Puis ils connaissent leur équipement, ils connaissent le milieu, ils connaissent leur environnement, puis ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent modifier, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est impossible de faire. Et puis là, bien, on travaille tout ce monde-là ensemble pour essayer de trouver des solutions pour limiter l'impact et permettre aux pêcheurs de survivre, puis à ces baleines-là de survivre aussi. Puis c'est intéressant de voir à quel point les idées des pêcheurs sont importantes. Parce que, bon, on travaille entre autres sur des designs où on a ce casier-là. On appelle ça des casiers sans cordage. Donc, la bouée, la corde va être au fond et puis reliée à la surface seulement sur demande avec une espèce de télécommande qui va relarguer la bouée seulement au moment où on a besoin de remonter le casier. Mais sinon, la pêche se fait sans bouée et puis tout est au fond. C'est une utopie de penser que ça va marcher demain matin, là, mais c'est vraiment vers ce type de pêche-là qu'on s'en va. Par contre, il y a des choses qui ont bien du sens dans un bureau d'ingénieur, puis quand tu arrives sur le bateau de pêche, tu vois le pêcheur qui dit « Ah non, mais ça marche pas. Ça, cette corde-là, il faut la mettre de l'autre côté. Ça, ici, on va attacher ça là. » Donc, le savoir terrain de ces pêcheurs-là est crucial. Puis c'est d'autant plus vrai pour la baleine noire parce qu'on parle ici d'une espèce en voie de disparition pour laquelle il reste 20 ans. Si rien n'est fait, dans 20 ans, cette espèce-là n'existe plus. Donc, il faut être ultra efficace et on n'a pas le luxe de se passer de ce savoir-là pour trouver des solutions. C'est pour ça que là, on a décidé de travailler tout le monde ensemble, encore une fois, dans un souci d'efficacité, parce qu'on se bat contre... C'est une course contre la montre et puis il faut être le plus efficace possible et on peut... toutes les idées sont bonnes et c'est pas vrai que la solution va venir de la tête d'un doctorat ou d'un bureau d'ingénieur à Montréal. Donc, les solutions vont venir de cette créativité commune où on a des pêcheurs qui connaissent leur terrain et qui travaillent avec des ingénieurs, des scientifiques, les gestionnaires de pêche et océans pour trouver la meilleure configuration possible pour permettre aux baleines de survivre, mais à cette industrie-là qui est cruciale pour notre région de survivre aussi.